Hé, hey, bébé, je suis prête. Dis-moi, comment tu me trouves? Bébé, c'est pas encourageant la tête que tu fais, tu sais? Je suis désolé. Je suis désolé. Certes que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les choses ont subitement mal tourné. Je veux dire, nous sommes censés dans peu de temps nous marier et je ne peux même pas gagner 15 000 naira. Une banale somme de 15 000 naira. En plus. C'est bon, que s'est-il passé? Il était, mais plus maintenant. Maintenant, il fait des photos de mes mannequins où elles ressemblent à des drag queens ou alors à des Halloween queens. Non, 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 ce n'est pas drôle, ce ne l'est pas. J'ai mon défilé de mode dans 3 semaines. Dans 3 semaines, et pourtant, je n'ai rien. Absolument rien à utiliser. J'ai essayé de le lui expliquer, mais on dirait qu'on ne se comprend absolument pas. Nous sommes toujours en train de nous disputer. Il me tape franchement sur les nerfs. En fait, j'ai l'impression de me cogner la tête sur un mur en ce moment. Tu te cognes la tête sur un mur, alors tu peux recruter un autre. Comment? Mon défilé de mode est dans 3 semaines. Comment vais-je trouver un photographe qui peut me comprendre, celui qui peut trouver le bon angle et qui peut retoucher les photos? Tu sais bien que tous ces photographes travaillent soit pour une organisation, soit pour quelqu'un. Dis-moi comment faire. Est-ce que je dois en voler un? En réalité, si tu le vois sous un autre angle, ça revient au même. Le défilé sera toujours au top si tu ne trouves pas quelqu'un d'autre. Celui-ci ne donne pas de résultats escomptés. Le fait-il? Non. Laisse-moi passer 2 ou 3 appels pour toi. Je vais te trouver quelqu'un d'autre d'ici demain. Tu en es sûr? Fais-moi confiance. Que ferais-je sans toi? Oh, absolument rien. Merci beaucoup. Bébé, bébé, j'ai trouvé du travail. J'ai trouvé du travail. J'ai trouvé du Mon travail. Dieu, tu as trouvé un travail. Oui, j'ai trouvé du travail, finalement. J'ai un travail. Et tu sais, la boîte est à Lagos et je dois voyager demain pour Lagos afin qu'il ne le donne pas à quelqu'un d'autre. Les gosses? Oui. Demain? Ouais, bébé. Je ne sais même pas comment réagir maintenant. N'est-il pas trop si soudain? Bébé, respire. Respire. Non. Est-ce que tu connais la meilleure? Cette entreprise, c'est Rachel Beauty World. Oui, la très connue Rachel Beauty World. Ouais. Et pour une raison que j'ignore, ils me veulent comme leur photographe permanent. Bébé, est-ce que tu sais combien cela nous apportera? Je sais, mais... Hé! Bébé, pas de mais. Ok? S'il te plaît, j'ai besoin de ta collaboration pour ça. Faisons-le simplement. Gagnons juste de l'argent et terminons l'organisation de notre mariage, s'il te plaît. Je le sais, comment tu le vois. Lagos est loin et mon travail est ici. Mon amour, une chose à la fois, ok? Hey, regarde qui est-ce qui a trouvé du travail. J'ai trouvé du travail. Allez, Tu on as doit eu un fêter ça job. maintenant, Je d'accord? suis si heureuse pour Je toi. suis plus heureux. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux boire? Vodka? Campari? N'importe quoi. Ou alors, mélangeons les deux si tu veux. J'arrive, j'ai trouvé du travail. Il a trouvé du travail. Oh Du mon travail. Dieu. Les gosses. Gloria, ils sont tous pris. Ils sont tous pris. Hein? Tu t'en rends compte? Ils sont tous pris. Hein?
de Dieu, de quoi parle-t-elle? Les hommes. Les hommes. Ils sont... Tous les meilleurs sont pris. Oh. Je viens juste de voir un homme passer par là. Regarde, regarde, regarde. Où ça? Par là. Vraiment? Donc, quand on parle des hommes, tu comptes celui-là parmi? Bon sang. Je pensais que tu étais mon ami. Tu connais ma catégorie quand même. Tu le sais, je veux un bel homme. Celui qui peut passer 24 heures, tu vois. Doucement, doucement, sans se fatiguer. Être comme si je n'avais encore rien fait. Ma copine, celui-là qui va, tu vois. Celui qui pourrait me donner la chance. Je le connais, monsieur Parfait. Mais, aux dernières nouvelles, il n'existe pas. Réveille-toi, ma puce. Écoute, chérie, il est grand temps que tu arrêtes de rêver. Ok? Tu ferais mieux de trouver quelque chose qui s'approche de ton rêve, en fait. Allô? Oh, en voilà. Oui, où es-tu? Ah d'accord, tu y es proche. Dis-leur juste de Rachel Beauty World. C'est un endroit très populaire. Tout le monde le connaît. Dis-leur juste ça. Oui, je t'attends ici. À tout à l'heure. Ok. Je ne sais pas qui t'a appelé de venir ici, mais mon temps avec toi est fini. Oh non, mais pourquoi? Je dois partir. Il y a un client qui m'attend à la boutique. Tu vois comment tu es. Quand le sujet devient intéressant, c'est en ce moment tu veux partir. Oh, qui viendra ici? C'est un photographe. Oh, vraiment? Léo vient finalement, c'est génial. Oui. Ça serait bien de l'attendre, mais transmets-lui mes salutations, ok? Oui, c'est ça, rabat-joie. À plus tard. Où sont tous les hommes? Où est-ce que j'en trouverai un bien? Je veux un homme que je pourrais savourer comme ça. Qui pourrait me dire des mots si tendres? C'est quoi? Tu n'en rêves pas? Oh, entre. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis Léo, Léo Ogachukwu. Oh, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Rachel. Rachel Adams. Ok. Oui, je suis ta nouvelle patronne. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi, prendre place. Oh. Là. Ouais, comme tu le sais, tu es venu sous recommandation. Tu as beaucoup de travail à faire et il n'y a pas de temps à perdre. J'espère que tu es prêt. Je vais essayer, madame. Arrête d'être modeste. Essayer ne suffira pas. Soit tu donnes le meilleur ou rien. Je veux un travail sérieux ici. J'ai besoin de quelqu'un qui peut remplir le rôle. Bien sûr que je suis la meilleure personne pour ce travail. Très bien, c'est cette assurance-là que je recherche. Alors, prends un endroit où vivre. Sinon, tu peux utiliser ma chambre d'amis. Et avant que tu ne répondes à cette question, je paye souvent 15 000 naira pour chaque séance de shooting. Ça t'arrange? Bien sûr, je vais rester dans votre chambre d'amis, madame. Oh, bien. Très bien. Sois le bienvenu chez Rachel Beauty World. Nous avons plusieurs branches ici et partout ailleurs. Je n'ai pas de préférence et je ne sais pas pourquoi. Amaka? Amaka? Alright, 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 alright. Alright, alright, alright.
toss of you alive will keep me always suffocating. Never coming close, your papa stay policing. I sight you from afar, but you always on the run. Yeah. Oh my God, walking in the fun. Made up in the waste time anyway. Maybe I don't be shots with the pain. Give me all attention, so delay. We gon' live for life, no parting ways. It's funny, the whole world's a man. But I can't give up, my love is calling. Phenomenally, I still come from it. This is what my heart just keep on yearning for. It's funny, the whole world's a man. But I can't give up, my love is calling. Phenomenally, I still come from it. This is what my heart keep yearning for. Everything you do is alright, alright. So long as you go be my wife, yeah, yeah, yeah. Everything you do is alright, alright. True love and never part from us. Voici certaines des photos. Celle-ci, peut-être que je devrais vous montrer le reste plus tard. Je transpire déjà énormément et j'aimerais, si vous me le permettez, prendre un dos, si ça ne vous dérange pas. Je peux t'aider à tenir la parole. Bien sûr. Of you and I will keep me always suffocating. Never coming close, your papa stay policing. I sight you from afar, but you always on the run. Yeah. Oh my God, walking in the front. Made up in the waste time anyway. Maybe I don't be shots with the pain. Give me all attention, so delay. We gon' live for life, no parting ways. It's funny, Léo? Oui, j'arrive. Vous m'avez appelé? Oui, allez, assieds-toi. Tu vas bien? Oui, oui, madame, je vais bien. Tu étais occupée? Non, pas du tout. As-tu dîné? Je pensais que nous pourrions peut-être aller dîner ensemble. Il y a un endroit pas très loin d'ici. Oh mon Dieu, le pépé soupe qu'on y prépare est un vrai délice. Même s'ils ont d'autres plats. Tu sais quoi? Va t'apprêter qu'on aille dîner. Mais, madame, vous n'avez pas besoin de faire tout ceci pour moi. Faire quoi? Allez, tu es un type formidable. Tu fournis ton effort pour ton travail et tu produis des résultats, ce qui est très essentiel. En fait, c'est une grande bénédiction de t'avoir et c'est le moins que je puisse faire. Un dîner, c'est quoi un dîner? Mais... Allez, va t'habiller, pas de mais. D'accord, madame. Écoute, très bien. Pas de madame. Tu me fais me sentir comme une vieille femme et je suis même sûre que tu es plus vieux que moi. Allez, va t'habiller. Merci, ma. Désolé. Oui, madame. Rachel, madame. Est-ce que je dois porter un ensemble? Porte ce que tu veux. Ça ira. Oh, mon Dieu, aide-moi. Oh, cet endroit commence à chauffer. Léo, dépêche-toi, d'accord? D'accord, madame. Oh. Entre. Hey. Entre. Tu sembles nerveux. Hey, détends-toi, ok? Pourquoi es-tu aussi nerveux? Tu n'as aucune raison d'être si nerveux. Allez, viens.
Détends-toi, je ne mords pas. Je tenais à te remettre ceci. Mais vous m'avez déjà payé. Je sais. Mais... T'es un homme. Et t'as forcément d'autres besoins. Allez, viens. Tu dois satisfaire tes autres besoins, tu sais. Je ne sais même pas quoi dire. Ne dis rien. Hein? Juste, essaye de le voir comme une sorte de récompense pour ton travail. Pour ton travail, c'est bien fait. Ok? Merci à vous. Merci beaucoup pour ceci. Et comme je le disais, ce n'est rien. D'accord? Tout va bien? Oui, tout va bien, ça va. Es-tu un homme? Je veux dire, un vrai homme. Je ne comprends pas. Ok. Dis-moi, es-tu le genre d'homme qui a de la peine à parler aux femmes? Non. Pourquoi? Alors pourquoi est-ce que tu ignores mes signaux? Je pense que je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous êtes en train de parler. Est-ce que tu ignores mes signaux ou alors tu ne me trouves pas attirant? Je ne comprends pas, je veux savoir. Dis-moi, je ne suis pas une belle femme. Vous êtes vraiment très belle, vous êtes très attirante. Alors pourquoi tu ne trouves aucune approche à mon égard? Pourquoi tu ne donnes rien, dis-moi? Rachel, vous êtes ma patronne et je ne pense pas que ce soit pour vous.
Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi ce que tu vois. Je ne vois rien du tout. Regarde très bien. Ok, que voulez-vous vraiment? Je suis tombée amoureuse de toi, laisse-moi, j'ai poussé, je suis sur toi. Je te jure, je ne peux pas m'empêcher de te désirer, j'y arrive pas. Je... Rachel, je ne peux pas. Mais pourquoi? Parce que je suis en couple. Et je vais me marier bientôt. Oh putain. Jésus, excusez-moi. Oh merde! Mon ange. Bébé, bébé, je voulais juste te dire que je t'aime tellement. Et qu'il n'y a rien dans ce monde que quelqu'un fera pour changer cela. Je t'aime aussi. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit, à mon ange. Tu sais que tu me manques. Tu me manques beaucoup. Ra, ne me dis pas que tu es sérieuse à propos de ce gars. Sérieuse? Il est l'incarnation de tout ce que j'aime chez un homme. Mon ami est sérieuse. Alors, qu'est-ce qui te retient? Il est pris, comme d'habitude. Tu veux dire qu'il est marié? Non, fiancé, et sur le point de se marier. Je pensais que tu dirais quelque chose de sérieux. Fiancé, c'est un statut, ça? Je veux dire, soit t'es marié, soit t'es célibataire. Et non entre les deux. Ma chérie, saisis ta chance. Sers-toi de ce que tu as comme arme. Léo, wow, viens, j'ai une très grande nouvelle. De merveilleuses nouvelles. Allez, regarde. Vous êtes tout enthousiasmé. Je suis très enthousiasmée. Ça, c'est très bien et tu dois voir ça. Une compagnie de mode et de cosmétiques voudrait me rencontrer dans un mois. Et ça, c'est après avoir vu les photos que tu as prises de ma mannequin. Waouh. Ils veulent me rencontrer dans un mois. Waouh. Tu sais ce que cela signifie? C'est une très bonne nouvelle. Que c'est un éventuel accord pour être leur partenaire consultante en beauté. Et ceci grâce à toi. Oh, ben voyons, ça n'était rien. J'ai seulement fait de mon mieux. Tu connais la meilleure? Quoi? Je veux que tu viennes avec moi. Alors j'aurai besoin de ton passeport et d'autres informations importantes sur toi. Mais je n'ai même pas de passeport. Comment? T'en fais pas, je m'occuperai de tout. J'ai juste besoin de toutes les informations. Je t'enverrai un email dès que j'aurai besoin de ta date de naissance et tout. T'inquiète, je vais m'en occuper, ok? Oui. Bon travail, très bon travail. Continue ainsi, ok? Afrique du Sud? Bébé, peux-tu arrêter de te plaindre un peu et être contente pour moi? Mais quand seras-tu de retour? Ok. Une fois que je serai de retour, nous commencerons à me préparer pour le mariage, ok? Bébé, honnêtement, je sais pas comment me sentir. Voyons, calme-toi. Tu sais que je t'aime. Ouais, je t'aime. Oh, bébé. Bébé, s'il te plaît, on continue après.
D'accord, je t'aime. Ah, désolée pour ça. Est-ce ta petite amie? Oui. Nous devons nous dépêcher pour l'aéroport. Nous devons y être au moins 2 heures avant le vol. Ouais, ouais, j'ai déjà rangé, fait mes bagages, oui. Nous devons partir maintenant. Ok. Merci beaucoup. Tu es notre sauveur. Merci d'être venu nous chercher à l'aéroport. Félicitations pour ta nouvelle fonction. Ma chérie, je te jure que c'est une très grosse responsabilité. Je n'imagine même pas. Et tu seras à la hauteur. Je peux l'imaginer. Personne ne le mérite autant que toi. Gloria, merci et bonne nuit. Ok. Ça va? Oui, absolument. Je Fantastique. C'est grâce à lui, en fait. Un grand merci à lui. Oh, je pense qu'il apporte de la chance. Depuis qu'il a commencé à travailler avec moi, je t'assure que toutes les portes s'ouvrent. Oh. Alors, quoi de neuf entre vous maintenant? Ma chérie, il n'arrête pas de parler de sa fiancée. Joy par-ci, Joy par-là, blablabla. Oh, Joy, c'est ça son nom? Oh, peu importe. En ce moment, ma puce, je pense que tu as plus de chance. En fait, tu as de l'avantage. Si tu l'aimes, alors donne-lui tout ce que tu possèdes. Tu es sérieuse? Mm-hmm. D'accord, j'ai compris. Très bien, je vais te laisser partir. D'accord, repose-toi. Merci à toi également, repose-toi bien, d'accord? Ok, prends soin de toi. Ok, prends soin de toi, bye-bye. Qui est là? C'est Léo. Oh, entre. Entre. J'aimerais prendre une permission pour aller voir ma fiancée afin de débuter les préparatifs pour notre mariage. Oh. Je vois. Quand aimerais-tu partir? La semaine prochaine. Ok, très bien. Tiens-moi au courant quand tu es prêt. Merci. Pas de quoi. Rachel, quelle est cette chose que vous voulez me montrer? Tiens, dorénavant, cette voiture t'appartient. Quoi? Comment? Cette voiture est... désormais à toi. Comment? Tu m'as entendu. Vous voulez dire... que ce véhicule... Oui. Et à moi? Rachel, comment? Pourquoi? Je veux dire, je ne suis que votre photographe. Tu as énormément fait pour moi et en très peu de temps. C'est grâce à toi que j'ai signé le contrat de l'Afrique du Sud et plusieurs autres contrats. Tout ça grâce à toi. Rachel, ce véhicule, il est à moi? Oui, c'est à toi. Ce véhicule? Oui. Rachel. Seigneur Jésus. Elle te plaît? Rachel. Oui. Merci. Il n'y a pas de quoi.
si énorme. Hé, hé, hé. Écoute, juste reste avec moi. Et tu auras plus que ça. Le prochain cadeau pourrait être une maison. Et tu as une bénédiction pour moi, tu ne pourrais pas le comprendre. Rachel, merci. C'est à moi de te remercier. Mais tout ça, c'est vraiment énorme. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu.
Qui t'appelle? C'est personne. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes avec deux magnifiques mannequins de Rachel, Beauty, Walt, et je sais que vous êtes impatients de les voir. C'est quoi votre nom, madame? Mon nom, c'est Kerima. Kerima? Wow, soyez la bienvenue, Kerima. Et merci. Madame? Kendall. Kendall? Wow, vous êtes tous les deux adorables. Merci. Soyez la bienvenue à cette cérémonie, ok? Merci. Alors, mes chers téléspectateurs, je sais que vous êtes impatients de savoir quoi ou qui est sur le tapis rouge. Je le sens que vous voudriez savoir. Wow, wow. Wow, wow, voici venu le PDG de Rachel Beauty World. Wow, c'est un grand honneur de vous avoir ici, madame. Tout le plaisir est pour moi. Et qui est ce bel homme à vos côtés? Ah, Léo, c'est mon petit ami. Votre petit ami? Wow, 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 vous avez sûrement fait beaucoup de jaloux. En effet, que dire? Léo est tellement amoureux de moi qu'il veut tout le temps me garder auprès de lui. Waouh! 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 Nous voudrions savoir, madame, quel est le secret de la réussite de Rachel Beauty Fashion Show? Rachel Beauty World Fashion Show m'a pris 5 années pour être mise sur pied. Ceci est mon projet favori, celui pour lequel je travaille si durement. En fait, c'est le projet de toute une vie. Alors j'espère que le chic et le glam ici présents inspireront tout ce qui bosse dans l'industrie de la mode, de l'habillement, mais aussi les personnes dans le monde de la mode qui y seront. Donc les designers diront qui sera le meilleur mannequin aussi bien sur le plan national qu'international. Et les personnalités dans le secteur de la mode et des exposants seront ici présents. Je suis tellement nerveuse parce que ça m'a pris beaucoup d'années pour réaliser ceci. Et c'est aujourd'hui que ça aura lieu. Le plus important est que j'ai à mes côtés mon amour qui est là pour me soutenir et ça représente beaucoup pour moi, croyez-moi. Waouh, waouh, ouais, wow. C'est merveilleux. Oui, il est merveilleux. Il est content et nous sommes tous contents. Ouais. Ce n'est que le début, ok? Ce n'est que le début, vous venez de l'entendre de la bouche du PDG elle-même. Elle vient de nous dire à quoi va ressembler le show de ce soir et nous sommes impatients de nous retrouver à l'intérieur. Oui. Merci également. Okay. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh. J'essayais juste de... Monsieur Léo? Essayez de faire quoi? Ouais? Il y a une femme à l'extérieur qui demande à vous voir. Une femme? Moi? Oui, madame. Et qui est-elle? Je ne sais pas. Elle a juste dit qu'elle voulait voir Monsieur Léo. Ok. Oh, non. Ne t'inquiète pas.
Allez, continuez. Je reviens. Alors, tu es prête? Prends la pause. Vous cherchez quelqu'un? Qui êtes-vous? Et qui est-ce que vous cherchez? Je m'appelle Joy et je suis là pour voir Léo. Léo? Quelle relation entretenez-vous avec lui? C'est mon fiancé et nous sommes sur le point de nous marier. C'est le point de vous marier. De toutes les façons, il n'est pas là. Vous mentez. Vous êtes celle que j'ai vue à la télé le tirer auprès de vous disant qu'il est votre petite amie. N'avez-vous pas honte? Ne vous a-t-il pas dit qu'il était fiancé? Écoutez. Vous ne pouvez pas venir ici et me parler de la sorte. Est-ce que c'est clair? Oh, j'ai le droit de vous parler comme bon me semble. Non, vous ne pouvez pas faire. Je vais tout juste le faire. Allez, vous irez nulle part. Allez-vous-en. Je vais nulle part. Allez-vous-en. Je ne sors pas. Je ne m'en irai nulle part tant que je n'ai pas vu. John! Bébé! Comment es-tu arrivé ici? Comment as-tu su que j'étais ici? Tu n'oses même pas m'embrasser. C'est à cause d'elle. Mais tu aurais dû m'appeler et m'informer avant de venir ici. Comment te l'aurais-je dit alors? Tu ne décroches même plus mes appels. Je me faisais un sang d'encre. Pendant ce temps, tu te pavanais avec ça. Joy, Joy, nous devons parler de ça, okay? Nous n'avons rien à nos airs. Dis à cette femme que je suis pour toi et va chercher tes affaires qu'on s'en aille d'ici. Léo! Qu'est-ce qui se passe ici? Bébé, bébé, s'il vous plaît, laisse-moi résoudre ça, s'il vous plaît. Une minute. Bébé? Donc, maintenant je suis Joy? Joy, j'ai dit que nous devons parler de ça, ok? J'arrive pas. Vraiment désolé, en fait, elle et moi, nous sommes ensemble. Donc, toutes ces années, tout l'amour que nous avons partagé, tous ces sacrifices, c'est comme ça que tu me payes en retour? Écoute, Joy, je suis désolé. Ce n'est pas comme si j'avais planifié que les choses prennent cette tournure. C'est juste arrivé. T'es un lâche, Léo! Je te prends pour un homme, alors que tu peux pas regarder une femme dans les yeux et lui dire que c'est fini. Joy, je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Ok, peut-être que nous n'étions vraiment pas faits l'un pour l'autre. Arrivée. Te voilà. Je ne t'ai pas entendu arriver. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire le ménage. Hé, bébé, je te l'ai dit plusieurs fois. Ne surtout faire aucune tâche ménagère tant que tu n'as pas encore accouché. Mais bébé, je m'ennuyais. Va marcher ou fais quelque chose. Je n'ai envie de rien faire de tout cela. Bébé, hé, pas de discussion. Ne travaille plus jamais. Et à quoi me servent mes mains? Je les rendais simplement utiles. J'ai dit. Pas de discussion. Ok, je vais te décoller d'ici. Non. Soit nous le faisons ensemble, soit tu viens avec moi. Ok, je viens avec toi. Ouais, mon dos me fait mal. Je vais te masser. Et mon cou aussi.
Je vais aussi masser. Et mon petit orteil. Ok, avance-toi. Oh mon Dieu, ma tête aussi me fait mal. Allez, allez, allons-y. Bonjour. Hey. Bonjour, papa. Mon petit bébé adoré, comment tu vas? Je vais bien. Alors, est-ce que tu es prête? Oui. Ok, on y va. bébé. Dis au revoir. Au revoir, mon amour. Hey, bébé. Ouais. Est-ce que tu peux t'arrêter chez Gloria pour récupérer mes habits? Oh, ouais, bien sûr, très bien. Je passerai les prendre. Merci. Bien, dis encore au revoir à ta mère. Au revoir, au revoir, mon amour. Faudrait pas qu'on te manque. Ah, je vais essayer. On revient très bientôt. S'est-elle endormie? Oui, elle s'est finalement endormie. Tu ferais mieux de dire à ta fille que je ne suis pas prête à te partager avec qui que ce soit, même pas avec elle. Et je suis sérieuse. Une minute. Est-ce que c'est une scène de jalousie? Peu importe. Eh bien, tu n'as vraiment aucune raison d'être jalouse. Il y avait pas. Ok. Allons dans la chambre maintenant. Tu sais que je t'aime énormément. Ouais, bébé. Ouais. Je le sais. Allons-y. Infirmière, s'il vous plaît, comment va mon mari? Docteur, s'il vous plaît, comment va mon mari? J'ai essayé de parler à l'infirmière, mais elle est partie. Est-ce que mon mari va bien? Je crains que votre mari ait été volé au troisième degré. Il est dans un état très grave. Docteur, que voulez-vous dire par là? Que voulez-vous dire par là? S'il vous plaît, faites-le pour vous assurer qu'il va bien, qu'il ne meurt pas. Comme d'habitude, nous ferons de notre mieux. Docteur, est-ce que je peux le voir, s'il vous plaît? Non, pas encore. Vous ne pouvez pas le voir. Donnez-moi une minute. Docteur, s'il vous plaît, ne vous en allez pas. Docteur, s'il vous plaît. S'il juste vous plaît. Une minute. Ok. Okay. D'accord, une minute. Docteur. Docteur. S'il vous plaît, levez-vous pour votre pansement. Ouais. Infirmière, mon épouse, s'il vous plaît. Ça fait plusieurs jours maintenant que je ne vois pas ma femme.
Oui, nous ne l'avons pas vu non plus. Vous pensez qu'il va bien? Non, je n'en sais rien. Ok, vous pouvez commencer. D'accord. Regarde, tu aimes ceci, n'est-ce pas? Pas vraiment. Et celui-ci? J'adore celui-ci, c'est parfait. Oh, mais c'est presque la même chose avec celui-ci. Donc tu le laisses alors. C'est ça. À moi, est-ce que tu veux me l'offrir comme cadeau d'anniversaire? Si. À quoi servent les amis? S'il te plaît, maman. Oui, mon bébé. Quand est-ce qu'on nous voit papa à l'hôpital? Hein? Quand on nous voit papa à l'hôpital? Tu ne connais pas le chemin qui mène à l'hôpital? Si tu veux voir ton père, va le voir à l'hôpital et arrête de me déranger. Retourne dans ta chambre. Espèce d'idiote. Mais Rachel, tu dois aller le voir. Tu ne peux pas l'abandonner à l'hôpital juste comme ça. En fait, il a besoin de toi en ce moment plus que jamais. Gloria, tu sais à quel point je suis occupée. Tu es mieux placée pour le savoir. J'irai le voir quand je serai moins occupée. Rachel. Gloria. Tu as abandonné ton mari à l'hôpital. Ah, s'il y a une chose que tu dois savoir, c'est qu'il a besoin de toi plus que jamais. Et ça fait de toi qui? Oh, je vois. Une princesse en détresse. Venant secours à son prince charmant, ce que je vois. Écoute, je n'ai pas ce temps. Maintenant, mets-toi d'ailleurs. D'ailleurs. Vraiment? Oui, d'ailleurs. Je vais partir. Je voulais juste te faire savoir que Léo a besoin de toi. Va jouer ton rôle d'épouse. Que c'est touchant. Tu peux aller le voir si tu veux. C'est...
sale garce. Pandora? Oui, papa? Où est-elle? Ah, es-tu prête? Oui, papa. D'accord, va chercher ton sac, on y va, ok? Dépêche-toi, s'il te plaît. Allez où? Allez où? Je vais l'accompagner à l'école aujourd'hui, elle m'a dit que c'est ce qu'elle veut. En tant que tu es ton meilleur papa du monde, depuis que tu es bien à l'hôpital, qui l'a mené à l'école? Eh bien, mais je suis s'il te plaît, ferme-la avec toutes tes mains. Je vois clair dans ton jeu. Tu vas aller t'exposer devant le monde entier pour que les gens commencent à avoir pitié de moi. Moi, Rachel Adams, oh mon Dieu. Regardez l'époux de Rachel Adams, oh mon Dieu. Quelle pitié. Arrête ça. Arrête ça. Vantora, prends ton sac et allons à l'école. N'importe quoi, donne-moi ça ici. Allez, donne-les-moi. Non. Rachel, tu as maintenant honte de moi? Alors, la tortue a sauvé le zèbre, elle a sauvé le cheval, elle a même sauvé l'âne. Et depuis ce jour, elle est devenue la plus sage. Oui. Qu'est-ce que fais? Que penses-tu être en train de le faire? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Tu veux qu'elle fasse des cauchemars? Qu'est-ce que tu sous-entends? Je vais le faire. Alors, laisse ta maman te raconter une très belle histoire avant de dormir. Mais maman, pourquoi n'as-tu pas laissé papa me raconter une histoire avant de dormir? Pourquoi? Parce que ta merveilleuse mère ici présente veut te raconter la meilleure des histoires. Ok, alors, on y va. Alors, il était une fois, le lion était le roi de la forêt. Mais le coq a décidé de conspirer pour devenir le roi de la forêt. Honnêtement, j'en ai terminé avec ce mariage. T'assure, je n'en peux plus. Je ne peux plus. J'en ai marre. J'en ai carrément marre de ce mariage. Calme-toi, ok? Je comprends ce que tu ressens. Ne me demande pas de me calmer, tu n'es pas à ma place. C'est l'homme que je vois chaque jour quand je me réveille, ça me donne envie de vomir. Et tu me demandes de me calmer? Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. En fait, il a changé. Il ressemble à un monstre. Rachel, comment oses-tu dire une telle pourquoi chose? Pourquoi ne devrais-je pas le dire? Pourquoi? Il n'est plus du tout bel homme. Je ne supporte plus de me réveiller chaque matin et de le voir comme ça. Je suis... Tu sais quoi? Je ne peux plus le supporter. Honnêtement, chaque fois que je le regarde, j'ai envie de le poignarder. Je veux pas qu'il fasse de moi meurtrière. Je veux qu'il ait ce mariage. J'en peux plus. Est-ce que tu sais que je fais des cauchemars chaque nuit quand je dors? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je ne peux plus le supporter. Je me sens... Tu sais quoi? Je suis un pétard en ce moment. Laisse-moi partir. Est-ce que tu t'entends parler? L'amour. Bébé, attends-moi. Comment me trouves-tu? Et où vas-tu habiller ainsi? Mais à l'avant-première, je filme Grumpy Grannies. Avec qui? Avec toi, bien sûr. Jamais de la vie. T'es-tu regardé dans un miroir? L'as-tu fait? Oh mon Dieu, tu ressembles au diable en personne. Tu es le portrait craché du diable. Oh mon Dieu, pourquoi tu n'arrêtes pas de me mettre dans l'embarras chaque jour? Pourquoi, Léo? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je t'ai donné une chambre dans laquelle rester, mais tu veux toujours sortir pour t'exposer aux yeux du monde. Écoute,
Tes jours de gloire sont passés. Donc, retourne dans la chambre que je paie pour toi. Essaye de rester où est ta place. Arrête de me frustrer. Tu n'iras nulle part avec moi. C'est compris? Retourne ici maintenant. Retourne à l'intérieur. Est-ce que je n'ai pas assez fait pour toi? Alors, je voudrais vous demander ce que vous attendiez du film intitulé Grumpy Grannies. Bien, je suis très contente d'être là ce soir. En fait, Okezie Boulou est l'un des meilleurs réalisateurs de l'industrie cinématographique. Alors, j'attends vraiment quelque chose de très bon de ce film. Je lui fais confiance. Je sais qu'il fera quelque chose de grand. Waouh, bien dit. Quand on voit tout ce travail, c'est un travail bien fait. Amusez-vous bien. Merci. Oh, doux Jésus. Qui est-ce que je vois? Je pense que je suis très heureuse d'être présente. La PDG de Rachel Beauty World. J'arrive pas à y croire. Hé, hey, Rachel. Rachel, vous êtes belle comme toujours. Merci. Merci beaucoup. Je dirai sans compte que je prendrai ce que vous portez. Merci, vous pouvez tout prendre. Pouvez-vous nous dire par qui êtes-vous habillée ce soir? Je suis habillée par Eletino Amazona. Waouh! Waouh! C'est magnifique tout ce que vous portez, vous savez? Merci. Très joli. Merci. Waouh! Oh ouais, c'est ma femme. Nous sommes venus pour voir l'avant-première du film Grumpy Grannies. Je suis très content d'être là ce soir pour regarder ce film. Vraiment? C'est vrai ça? C'est ma femme. Wow. Vous savez, nous sommes très heureux. Oh. C'est vrai, posez-moi la question. D'accord, wow. Monsieur Léo. J'arrive tout de suite. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Bienvenue, mon cœur. Signe ça. Signez quoi? Qu'est-ce que c'est? Les papiers du divorce. Je serai de retour tout à l'heure. Bébé? Ah, c'est toi. Merci du fond du cœur d'être venu. Pas de quoi. S'il te plaît, assieds-toi. Merci. Depuis combien de temps est-ce que tu as les gosses? Ça fait 4 jours. Oh. Ouais. Léo, tu m'as demandé de passer. Qu'est-ce qui ne va pas? En passant, où sont ta femme et ta fille? Joy, j'ai vraiment tout perdu. Léo, je t'ai dit de ne plus dire ce genre de choses. Tu es en vie et... Elle a demandé le divorce. Quoi? Elle ne peut pas faire une telle chose. Pourquoi ferait-elle ça? Non, elle ne peut pas faire cela. Eh bien, elle a déjà fait et je ne peux vraiment rien faire pour changer ça. Oh mon Dieu, Léo, je suis vraiment désolée. Je suis navrée. Joy,
Je sais que je t'ai offensé. Je sais que je t'ai tellement blessé. Je veux juste que tu trouves dans ton cœur le moyen de me pardonner. S'il te plaît. Léo, je ne te garde aucune rancune. C'est du passé. Ah, ok. Alors, si je te demande de me reprendre, le feras-tu? Léo. S'il te plaît. Je t'ai aimé. Et je t'aime toujours. Mais tu as fait ton choix. Non. Je suis désolée. Toi et moi, nous ne pourrons plus jamais être ensemble. Léo? Rachel, je pense que tu dois encore réfléchir, ok? Gloria, j'ai déjà réfléchi autant que possible et j'ai pris ma décision. Point final. Allô? Quoi? Qu'y a-t-il? Il a essayé de se tuer. Léo! Oh mon Dieu. Ah, il va bien? Je m'en fiche. Rachel, vas-y s'il te plaît. Quoi? Tu dois partir Rachel, vas-y, 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 vas-y. Mets-toi en route. S'il te plaît Rachel, vas-y. Mais... Pourquoi tu essayais de te tuer Léo? Tu n'es vraiment qu'une lâche. Tu m'as une fois traité de lâche. Peut-être c'est ce que je suis. Non. Non, tu es un homme fort. Et je sais que tu peux te battre. Joy, il n'y a vraiment plus aucune raison de se battre. Il n'y a aucune raison de vivre. Ne vois-tu donc pas? Ne vois-tu donc pas que j'ai absolument tout perdu? Bien sûr que non. Qu'en est-il de ta fille? Tu veux qu'elle soit orpheline de père à ce stade de sa vie? Joy, je pense qu'elle est mieux sans moi. Je suis sûr et certain que je suis devenu un embarras pour elle. Non, tu ne l'es pas. Non. Prends soin de toi, d'accord? Thank you.
Il y a quoi? Tu veux te réjouir? Non, je voulais juste te dire que je comprends ce que tu ressens. Vraiment? Dis-moi, qu'est-ce qui t'a attiré vers lui la première fois? Sa personne. Sa manière de sourire. Son physique. Sa personnalité. Oh mon Dieu, il est tellement doué pour ce qu'il fait. Je sais. La photographie. Et? Et... Je sais pas. Donc au fond, ce n'était qu'un coup de cœur. Un coup de cœur? Un peu non. Comme une infatuation. Et ce n'est pas suffisant pour soutenir une relation. Rachel, ton alliance, tu ne la portes pas? Est-ce l'oubli? Écoute, seul le vrai amour peut faire ça. L'amour, c'est cette chose qui peut faire en sorte qu'un homme et une femme veillent toujours rester ensemble, même quand la beauté physique a disparu. Nous avons l'habitude de dire que nous nous aimions. Je lui disais que je l'aimais. Rachel, tu dois regarder au-delà de l'apparence physique. Et rappelle-toi, quand tu l'as épousé, c'était pour le meilleur et pour le pire. Dans la santé comme dans la maladie. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'en ai bien peur que cela soit tellement difficile à faire. Je le sais, mais tu dois essayer. Ta fille, elle a sûrement besoin d'une figure paternelle. Mais je suis celle qui verrait ce visage chaque jour. Rachel. Je suis celle qui devrait vivre avec comment faire. Rachel, c'est de l'amour dont il est question, ok? Non, non, je ne voulais pas vivre ce genre de pire. L'amour est au-dessus de l'apparence physique. S'il te plaît. Merci. Seul le vrai amour peut faire ça. L'amour est cette chose qui peut faire en sorte qu'un homme et une femme veuillent rester ensemble, même quand la beauté physique a disparu. Nous avions l'habitude de nous dire que nous nous aimions. Je lui disais que je l'aimais. Rachel, tu dois regarder au-delà de l'apparence physique. Et rappelle-toi, quand tu l'as épousé, c'était pour le meilleur et pour le pire. Dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'en ai bien peur que cela soit tellement difficile à faire. Je le sais, mais tu dois essayer. Et ta fille, elle a sûrement besoin d'une figure paternelle dans sa vie. Mais je suis celle qui verrait ce visage chaque jour. Je suis celle qui devrait vivre avec comment? Rachel, c'est de l'amour dont il est question. Non, 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 je ne voulais pas qu'on vive ce genre de pire. L'amour est au-dessus de l'apparence physique, s'il te plaît. Cette fille est vraiment idiote. Elle est tellement stupide. Vandora, comment vas-tu? Je vais bien. Papa, où étais-tu? J'étais à l'hôpital. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien, ma puce. Thank you.
Écoute, je voulais juste te dire merci. Vraiment merci pour tout. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci de m'avoir offert une meilleure vie. C'est vrai que ce n'est de la faute de personne que ceci soit arrivé, mais j'aimerais que tu saches que je t'aimerai toujours quoi qu'il en soit. Je ne cesserai jamais de t'aimer. Ton bonheur est tout ce qui compte à mes yeux. Et je suis prêt à sacrifier n'importe quoi juste pour m'assurer que tu sois heureuse. Mais à ce stade, je dois juste partir. S'il te plaît, aide-moi à prendre soin de notre fille. Je vais souvent vous appeler de temps en temps pour savoir comment est-ce que vous allez. Prends soin d'elle. Et prends aussi soin de toi. Papa, où vas-tu? Maman, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Léo. J'ai été égoïste. Vraiment très égoïste. Étant donné la façon dont on s'est marié, comment j'ai été manipulatrice. Pour te pousser à m'aimer comme je voulais être aimée. Et je suis désolée. S'il te plaît, papa. Je suis vraiment désolée. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît, demande-lui d'arrêter de pleurer. Rires.